constituye una oportunidad única la apertura de este ciclo Grandes Pensadores del Siglo XX. Única porque nos va a permitir meternos en la fábrica en la que se crearon algunos de los pensamientos decisivos de la segunda mitad del siglo que acaba de cerrarse. Vamos a escuchar a Claude Lévi-Strauss, a Jacques Lacan, a Michel Foucault, a Pierre Bourdieu, a Cornelius Castoriadis, entre otros, a Hannah Arendt, que nos van a permitir viajar por los mundos del psicoanálisis, la filosofía, la etnología, la ciencia de la naturaleza, la problemática más profunda de la vida, del lenguaje, de la política. Es decir, recorrer junto a estos pensadores extraordinarios aquello que sigue siendo fundamental para pensarnos hoy a nosotros mismos. Oportunidad de escuchar a Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu fue quizás uno de los sociólogos más importantes de la tradición francesa, heredero de Durkheim, pero no simplemente vamos a escuchar al Bourdieu sociólogo, aquel que indagó la problemática de la educación, del capital cultural, de los juicios de gusto, del campo cultural, los modos de reproducción de la dominación, sino que también vamos a tener la oportunidad de encontrarnos con un hombre que atravesó gran parte de los debates políticos, filosóficos, sociales y estéticos de los años 60, 70 y 80. Fue contemporáneo de Michel Foucault, de Jacques Derrida, de Gilles Deleuze, que pudo discutir en profundidad la obra de Lévi-Strauss, que fue parte del debate del estructuralismo, pero que no simplemente construyó una carrera académica. Pierre Bourdieu, que nació en 1930, no fue el mandarín típico de la academia francesa, por más que alcanzó a enseñar en el Collège de France y fue uno de los intelectuales más relevantes de la segunda mitad del siglo XX francés, sino que, fundamentalmente, él siempre se vio a sí mismo como un provocador, como alguien que intervenía en las cuestiones políticas, sociales, culturales de la Francia de su tiempo, para discutir la cuestión de la explotación, la desigualdad, el autoritarismo, la problemática de género. Reflexionó hondamente lo que él denominó el problema de la dominación simbólica, es decir, ese mecanismo a través del cual el dominado es parte también del dispositivo de la dominación. Pero también Bourdieu fue un hombre que salió a la calle, salió a la escena pública, fue un intelectual en la tradición de Sartre, ¿por qué no en esa gran tradición francesa inaugurada por Voltaire? El hombre que toma la palabra para salir a discutir las injusticias de su tiempo. Bourdieu también, y esto es interesante porque en nuestra época se vuelve a discutir mucho de lo que a Bourdieu le interesaba. A Bourdieu le preocupó la pérdida del papel del Estado, le preocupó el vaciamiento del espacio público, le preocupó inmensamente el avance de un tipo de ciudadanía ligada al consumo, al hedonismo, al individualismo, que fragmentaba la vida social. Por eso Bourdieu no simplemente fue un gran sociólogo. Entre algunos de sus libros está precisamente El oficio del sociólogo, o otros libros como Miserias del mundo, o sus reflexiones sobre el arte, el juicio de gusto, o incluso también sus reflexiones filosófico-políticas en torno al pensamiento de Martin Heidegger. Es decir, Bourdieu, como parte de esa generación extraordinaria de pensadores franceses de la década del 50 y del 60, indagó desde la sociología, pero mezclando en su indagación la filosofía, la lingüística, la etnología. Su primer formación científico-académica estuvo vinculada a la tradición etnológico-antropológica.
a su discusión, obviamente, con Lévi-Strauss. Pero lo que más me interesa remarcar es, por supuesto, el mundo de las reflexiones de Bourdieu, su profunda indagación en torno al hábitus, en torno a la construcción de sentido común y de qué modo la escuela, la institución, el mundo educativo produce capital cultural y determina muchas veces las condiciones de posibilidad sociales del individuo. Bourdieu utilizó, por supuesto, una sociología crítica, pero también echó mano de una sociología cuantitativa, de la observación empírica. Pero lo hizo siempre teniendo como norte, como horizonte, la necesidad de pensar críticamente las estructuras de la sociedad y las formas de construcción de sentido y de individualidad en el interior de esta sociedad. Para Bourdieu se trataba de desestructurar un pensamiento armado, una lectura meramente costumbrista de la sociedad. Se trataba de horadar, de quebrar el sentido común para penetrar en las máquinas de su producción. Pensar la ideología, tiene un extraordinario ensayo sobre la televisión, donde pregunta e indaga por el funcionamiento de la corporación audiovisual, de los lenguajes televisivos, de qué manera se generan las condiciones de reproducción de ideologías, de verdades, de concepciones o de formas de dominación. Por eso Bourdieu construyó algunas categorías que las va a ir desplegando en la entrevista que vamos a poder mirar y escuchar. La categoría de hábitus, de dominación simbólica, de capital cultural, de juicio de gusto, que viene de una vieja discusión con uno de los grandes filósofos de la modernidad, que fue Immanuel Kant. Es decir, pensar cómo se construye un campo cultural, cuáles son las deudas, las herencias, dónde se inscribe el mandato familiar, la lengua materna, cómo define ese mandato familiar la manera a través de la cual el individuo termina socializándose, cómo lo captura la institución educativa, de qué manera se produce un dispositivo de la exclusión o del prejuicio. ¿Qué son los prejuicios para Bourdieu? Bourdieu, de algún modo, nos está incitando a pensar en este sentido próximo también a Michel Foucault, ¿por qué no? Allí donde hace una lectura de todo aquello que queda fuera del orden del sistema, del orden de la verdad, del orden de la dominación. Por eso los invito a escuchar a este inteligente, significativo e intenso sociólogo, Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, vous n'avez jamais cessé de faire des recherches dans le domaine de l'école, du système scolaire et universitaire. Pourquoi est-ce que ce domaine vous intéresse tant et qu'est-ce que vous pensez avoir découvert de fondamental dans cet ordre d'idées? Du point de vue d'une sociologie explicative, enfin qui rend compte de ce que les gens font, il est capital de voir comment ils sont faits. Et le système scolaire, dans les sociétés modernes, est un des lieux où se fabriquent enfin, les personnes, où se fabriquent les manières de penser, les manières d'agir, etc., en liaison évidemment avec la famille. Donc il n'est pas possible enfin, d'étudier sérieusement le monde social, les fonctionnements du monde social, sans étudier cette institution où les gens se fabriquent et où se fabriquent aussi les différences sociales
labellisées, légitimes. C'est-à-dire, c'est là que se fabriquent les titres scolaires, qui sont en même temps très souvent des titres professionnels, qui sont des titres donnant droit à profession. Donc, c'est très important. Et d'autre part, le système scolaire est de plus en plus, dans la société moderne, un des lieux où se reproduisent les structures sociales. Dans toute l'histoire, enfin, toute la tradition intellectuelle, les historiens en particulier, on s'est intéressé à ce que j'appelle les stratégies de reproduction, c'est-à-dire les manières dont les groupes sociaux assurent leur continuité. Alors, l'exemple par excellence étant les stratégies successorales, bon, mais il y a aussi les stratégies matrimoniales, comment on se marie, le mariage étant une manière de se reproduire biologiquement, mais aussi de reproduire les homogénéités, les différences sociales, etc. Voilà. Donc le système scolaire est tout à fait central pour comprendre les sociétés modernes. Oui. Est-ce que le sociologue n'est pas contraint à partir quand même d'un fait massif et patent qui est l'inégalité des chances Oui, enfin, à l'intérieur du système. Oui, c'est intéressant. La question est intéressante parce que c'est un fait massif qui a été établi par les sociologues. Une chose importante, c'est que sans la sociologie, au fond, personne ne savait ce fait massif, c'est-à-dire qu'il y a une relation statistique très forte entre l'origine sociale des élèves et leurs résultats scolaires. Donc, un des mérites de la sociologie est d'avoir établi ce fait statistique de manière de plus en plus précise. Enfin, maintenant, on connaît ces choses-là très bien. Bon, alors, ce fait étant établi, comme tous les faits scientifiques, enfin, bon, il ne s'agit pas simplement de l'enregistrer. Il faut savoir ce que cela veut dire, d'une part, et comment ça s'explique. Bon, donc, moi, l'essentiel de mon travail a été de chercher un système explicatif capable de rendre compte de ce fait. Alors, par exemple, on peut aller très vite, mais on observe que les inégalités de réussite scolaire ne sont pas expliquées complètement à partir des inégalités économiques. Donc il a fallu inventer une notion que j'ai appelée capital culturel, c'est-à-dire l'idée que nous héritons de notre famille, pas seulement des moyens matériels, mais nous héritons des instruments de connaissance, d'expression, des savoir-faire, des savoirs, des techniques, des modes, des manières de travailler, par exemple. C'est-à-dire des tas de choses qui sont transmises inconsciemment par la famille et qui contribuent énormément à la réussite scolaire. Alors, d'autant plus que le système scolaire les exige souvent sans les donner. Alors là, je prends un exemple simple, oui. Qui est celui des techniques de travail, par exemple. Je pense que un des avantages majeurs des enfants des catégories intellectuelles, par exemple, bon, outre le fait qu'ils entendent dans leur famille un langage qui est assez proche de celui qui se parle à l'école et que l'école exige, bon, outre le fait qu'ils ils ont une attitude de rapport, un rapport à la culture, des intérêts, etc., très proche de ce que l'école demande, il y a le fait qu'ils reçoivent de leur famille des indications, pour ne pas dire des incitations, concernant la manière de travailler, la manière d'organiser le travail, dans le temps, oh, tu laisses tomber ça, fais plutôt ça maintenant, oh là, tu ferais mieux d'aller jouer au foot, t'es trop fatigué, ou bien fais d'abord ça, puis feras ça après, etc. Bon, ces choses-là qui sont apparemment très peu de choses, presque rien, en fait, me semble-t-il, sont parmi les facteurs de différenciation décisifs. C'est l'art de travailler. Or, le système scolaire donne ça très peu, pour des tas de raisons, parce qu'il n'y a pas le temps, etc., mais aussi parce que... Par mes connaissances. Parce que la plupart des professeurs n'ont pas conscience que c'est ce qui manque. Donc on en vient à exiger du... L'école elle-même en vient à exiger du non-scolaire. Voilà. Alors c'est un des paradoxes extraordinaires. Bon, j'avais signalé ça dans le premier livre que j'avais consacré à l'éducation. C'est cette annotation marginale qui est monstrueuse quand on y pense. Un professeur écrivant dans une marge scolaire.
scolaire, évidemment, est en péjoratif. Ça veut dire que le système scolaire ne reconnaît pas valeur à ce que le système scolaire transmet. Il demande autre chose. Il ne se contente pas de... Voilà. Et est-ce que ce système de classement appréciatif, selon les catégories doués, sérieux, faibles, ne sont pas finalement assez significatifs, eux aussi? Oui. Sociologiquement parlant. Oui, je pense. Là, j'ai fait une analyse détaillée à propos d'un matériel qui m'était tombé entre les mains par hasard, une analyse détaillée des adjectifs que les professeurs emploient pour qualifier des dissertations, des copies, etc. Et effectivement, je pense qu'il y a une correspondance assez étroite entre le type de qualité que l'on attribue à travers les qualificatifs et la qualité sociale de ceux qui sont l'objet de ces jugements de qualité. Bon, c'est-à-dire, pour prendre un exemple un peu extrême, mais qui est réel, dans une marge de copie de philosophie, il y avait une fois servile. Bon, il se trouve que la fille en question était fille de femme de ménage. Bon, évidemment, le professeur n'a absolument pas conscience. Bon, Ce sont des lapsus. Absolument. C'était l'équivalent des lapsus freudiens. Alors, il ne s'agit pas de le condamner. Il est probable que celui qui a pu faire ça serait très malheureux s'il m'entendait. Mais ça veut dire une chose très importante. Ça veut dire que les jugements scolaires sont souvent, plus souvent qu'on ne le croit, des jugements sociaux déniés, comme dit la psychanalyse. C'est des jugements sociaux qui ne se perçoivent pas comme tels, qui s'ignorent comme tels. Et à travers donc des qualités que l'on croit purement scolaires, on appréhende des propriétés sociales et on ne le sait pas. Est-ce que l'usage de la notion de don n'est pas quand même un usage beaucoup moins innocent que d'autres appréciations? Absolument. Parce que là, on ne touche pas à quelque chose. Bien sûr, mais la notion de don est au fond la philosophie. C'est la philosophie même de tout ça. C'est-à-dire, dès le moment où on ignore la relation, on ignore que les capacités, les aptitudes, les qualités, les propriétés que l'on demande et que l'on apprécie, dès le moment où on ignore qu'elles sont socialement produites, qu'elles ne sont pas dans la nature, mais qu'elles sont dans un travail social, historique, celui de la famille, celui de l'école, etc., il ne reste que le don. Et on dira, vous n'êtes pas doué pour, ce qui a un effet absolument terrifiant, parce que vous n'êtes pas doué en français, c'est une des choses les plus terrifiantes qu'on puisse dire à quelqu'un. Que faire contre ça? Contre la nature, on ne peut rien. Alors que si on disait, vous êtes le produit de conditions historiques et sociales telles que vous n'avez pas un accès facile à la langue qu'exige le système scolaire, voilà une phrase rigoureuse. Ouais. Bon, ouais. Il y aurait un recours, ça voudrait dire, ça s'apprend, alors que l'autre, c'est exactement les hommes de qualité qui savent tout sans avoir rien appris. Autant dire, la philosophie du don est une philosophie foncièrement aristocratique, qui est inscrite dans la nature biologique des capacités socialement acquises. C'est-à-dire, celui qui ne les a pas n'y peut rien, et celui qui les a peut se les attribuer, les deux choses étant également dangereuses. Donc nous avons un système qui dissimule activement une bonne partie de ces structures. Oui, alors le problème, je me permets de corriger la formulation que vous avez employée, parce que on pourrait penser que ce système a des intentions, qu'il y a une volonté méchante, enfin qu'il y a une sorte de malingénie diabolique, pervers, etc. Le pire, c'est que les mécanismes sociaux n'ont pas d'intention. Il n'y a pas de sujet de ces mécanismes, il n'y a pas de complot. Alors malheureusement, une des lectures mauvaises de la sociologie consiste à transformer l'analyse de mécanismes en analyse de volonté. Et on dira, c'est la classe dominante qui domine, qui élimine. Enfin, il y a des écrits même de sociologues que je critique, qui disent l'école élimine. C'est pas vrai. C'est la logique du fonctionnement de mécanismes extrêmement compliqués, parmi lesquels il y a l'inconscient de ces mécanismes, aboutit au fait qu'un certain type d'enfant, au hasard, est plus éliminé que d'autres. Donc il faut à la fois dire la chose et éviter de tomber dans cette philosophie, sinon on s'en prend à des adversaires apparents.
Et du coup, les réformes, en particulier du système scolaire, sont presque toujours ratées parce qu'on cherche des responsables, on cherche des coupables. Alors, c'est la faute aux profs, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute, etc. etc. Bon, c'est pas en termes de faute et de culpabilité. Il y a des responsabilités différentielles qui sont souvent des responsabilités inscrites dans des structures, dans des mécanismes très compliqués qui dépassent les capacités des agents. Ce qui ne veut pas dire que les agents ne peuvent pas... ne peuvent pas en prenant faire quelque chose, en prenant conscience. Ils peuvent contrarier les mécanismes, ils peuvent éviter de les servir par inconscience. Ils peuvent même, je pense, en s'organisant collectivement, parvenir à en altérer profondément l'efficacité. À un physicien, on attribue volontiers une connaissance qu'on ne possède pas. Est-ce que vous croyez que c'est la même chose dans l'ordre de la sociologie? Est-ce qu'il n'y a pas une sociologie spontanée qui précisément fait obstacle à la sociologie savante? Oui, malheureusement, Durkheim le disait déjà, les sociologues doivent compter avec cette idée très répandue que la sociologie est à la portée de tout le monde. Je pense effectivement que les agents sociaux ont une maîtrise du monde social qui leur permet de se débrouiller dans la vie. De même que nous savons nous promener dans une ville, nous savons prendre les clous, arrêter au feu, etc. Nous avons l'équivalent, nous avons un sens pratique du monde social, une connaissance pratique des régularités et même des règles. Mais ce qui n'est pas donné sur le mode de la science infuse, c'est la maîtrise savante des régularités et des règles du monde social et la maîtrise savante de la maîtrise pratique. Bon, et ce qui fait que nous sommes sans arrêt en difficulté parce que nous nous heurtons à la fois en nous-mêmes dans nos interlocuteurs, lorsque nous essayons de communiquer les résultats de nos travaux, à cette conviction que chaque homme est sociologue. Grâce à Dieu, j'allais dire, dans les sciences de la nature, la coupure épistémologique dont parlait Bachelard s'est instituée en coupure sociale. Et au fond, on accorde malgré tout au physicien qu'il a une espèce de monopole de fait, c'est-à-dire non pas un monopole d'autorité, mais le monopole de certaines opérations. De même pour nous, nous faisons des choses avec des instruments, etc. Et c'est au nom de ce travail que nous revendiquons le droit, dans certains cas, de savoir mieux que le premier venu. Oui. Alors, il y aurait, au fond, au départ du travail de sociologue, une idée importante qui serait un principe de non-conscience. Cette idée que finalement il faut aller radicalement au-delà de la conscience des agents sociaux si on veut trouver l'explication du monde social. Oui, je pense. Nous avons dans la tête des catégories de pensée, des catégories de perception, des principes d'évaluation sont devenus les structures mêmes de notre cerveau. Quand on explique Kant, souvent les professeurs de philosophie emploient la métaphore ou l'image des lunettes. Ils disent, les catégories, ce sont comme des lunettes à travers lesquelles vous voyez le monde, et un des problèmes du philosophe, c'est de voir les lunettes à travers lesquelles il voit. Bon, le sociologue, c'est exactement pareil. Simplement, ces lunettes, elles sont socialement constituées, variables, selon les sociétés, selon les sexes, selon les âges, etc. Bon. Et donc, nous voyons le monde natal, le monde dans lequel nous avons été façonnés, celui d'enfance, le monde scolaire. Nous le voyons avec des lunettes qui sont le produit même du monde auquel nous appliquons notre regard. Bon, alors, par exemple, je pense qu'il y a peu d'univers à propos duquel nous soyons plus aveugles que le monde scolaire. Bon, j'allais dire, je pense que c'est vrai, que surtout quand nous sommes professeurs, quand nous sommes des produits d'élection du système scolaire, nous avons beaucoup de chance de ne pas voir l'essentiel, parce que cet essentiel, il est devenu une espèce de seconde nature, il est devenu structure mentale.
Et nous trouvons donc naturel des choses qui nous surprennent dès que nous voyons une autre tradition intellectuelle. Par exemple, je ne sais pas, la dissertation en trois points, qui est une tradition. Oui, c'est une tradition nationale. Je pense que pour s'en étonner, il faut voir que c'est une invention de la scolastique, de saint Thomas, etc., donc, qui s'est perpétuée à travers la transmission scolaire, etc. etc. Bon, toutes sortes, on aurait des exemples par milliers. Et par exemple, toutes les valeurs implicites du système scolaire, ce que les professeurs mettent en œuvre dans leur jugement. Quand ils mettent dans une marge brillant, sérieux, ils n'ont pas conscience d'employer une opposition tout à fait analogue à celle que Lévi-Strauss étudie à propos de la pensée sauvage. Du même type que sec humide ou chaud froid. Bon, ce sont des oppositions qui ne paraissent évidentes et indiscutées que pour quelqu'un qui a baigné dans un univers structuré selon cette opposition. Ouais. Et est-ce que ce principe de non-conscience qui est à la base donc, du travail de sociologue, est-ce qu'il donne lieu à la constitution d'une idée comme celle d'un inconscient social, comme celle d'un... Non, comment justement, pourrait-on cerner cette réalité ? En fait, il y a plusieurs manières de ne pas avoir conscience. On a tendance à donner une réalité substantielle à ce qui doit être pensé en relation. Alors, pour ne pas développer ça abstraitement. C'est-à-dire que l'inconscient devient une sorte de double. Voilà. Alors, en réalité, donc, il y a déjà des choses qui sont implicites. Bon, c'est ce que les exemples que je prenais, c'est de cet ordre. Ce qui paraît évident, ce sont des conduites, des pratiques régulières, des institutions qui sont organisées selon des oppositions, par exemple, dans beaucoup de sociétés, des oppositions dualistes, un exemple étant masculin-féminin, ils sont organisés selon des oppositions que nous avons aussi dans l'esprit, nous ne voyons pas l'arbitraire de ces oppositions parce que ça colle trop bien, en un sens. Bon, notre cerveau, si on peut dire, est structuré comme le monde et du coup, ça va de soi. Alors ça, c'est une part des choses. Mais il y a aussi des choses que nous ne savons pas parce que nous ne voulons pas les savoir. Quand on dit « je ne veux pas le savoir », résistance. Il y a des résistances. Voilà. Alors là, il y a des choses très importantes dans le monde social. Et souvent, d'ailleurs, les deux choses se combinent. Il y a des choses qui sont, par exemple, sur le système scolaire, il y a des choses qui sont difficiles à savoir du fait de cet accord que je décrivais, mais aussi parce que, à l'inconscience des mécanismes réels, est associée toute une série d'intérêts. Bon, il y a des gens qui ont intérêt à ne pas savoir et à ce qu'on ne sache pas. Bon, alors on passe donc du secret. Par exemple, c'est un très bel exemple. J'avais un jour, je travaillais sur les grandes écoles, et dans une des grandes écoles, c'est l'école des hautes études commerciales, l'administration, avec l'accord des élèves, avait fait une enquête sur les résultats ultérieurs des élèves de cette école, et ils avaient pris plusieurs variables explicatives. Il y avait le rang d'entrée dans l'école, la profession des parents, et puis quelques autres variables. Et ils découvraient une formidable corrélation, non pas avec le rang d'entrée, comme le croirait le système scolaire, mais avec la profession des parents. C'est-à-dire, plus on avait des parents de niveau élevé, plus, avec le même titre de ancien de HEC, on avait des avantages économiques, sociaux, etc. Bon, cette enquête m'est tombée entre les mains par toutes sortes de ruses, c'est vrai qu'ils sont obligés de ruser, par l'intermédiaire de l'ancien élève qui me l'a passé, il y avait dessus secret. Bon, voilà. Autrement dit, ça pose des problèmes aux sociologues, parce que les sociologues souvent dévoilent des choses cachées, et Bachelard le dit pour les sciences de la nature, Bachelard dit « il n'y a de science que du caché bon. ». Alors ça, on l'accorde à la physique, mais le sociologue dévoile. Ce qui ne veut pas dire qu'il dénonce, parce qu'en histoire, il dévoile des choses cachées. Et par le fait de dévoiler, évidemment, il attente à des intérêts. Il dérange. Ouais. Et est-ce qu'il y a donc des techniques, des savoir-faire qui permettent cette traversée des apparences ? Oui. Alors, évidemment, ce travail est extrêmement difficile. Bon, d'abord, il y a tout un travail du sociologue sur lui-même, qui est opéré avec l'aide de la communauté scientifique. Il ne faut pas oublier que le sociologue, comme tout savant, est inséré dans un univers de concurrence, de lutte, de lutte pour la vérité, mais aussi pour convaincre les autres d'erreurs, etc. Et dans
dans ces luttes, la vérité s'éprouve. C'est-à-dire, dès que je publie quelque chose, moi ou un autre, je m'expose. Bon, et tous les moyens sont bons pour réfuter. Bon. Donc il y a ça, et ces contrôles collectifs deviennent des contrôles subjectifs. Et la méthode scientifique, c'est au fond l'intériorisation de cet état, à un moment donné du temps, des contrôles. Bon. Bon, ça c'est le premier point. Pardon, mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que ces contrôles, ils sont exercés à travers des méthodes. Ce que nous avons en commun, par exemple, c'est un certain type de technique statistique. Lorsque, par exemple, je suis arrivé un jour à un débat, c'est un des grands souvenirs de ma vie, avec un historien de l'économie, il s'agissait d'un débat sur le patronat. Et il avait repris, je venais de publier un article sur le patronat en France, il avait repris mes statistiques et il avait refait les analyses en mettant en œuvre la même méthode. Bon, et il me dit, ah, mon cher collègue, je pense que vous avez fait une erreur, etc. Et je lui ai dit, comment avez-vous fait? Et j'ai vu qu'il avait éliminé une partie de la population qui expliquait la différence entre nos jugements. Donc là où la discussion, disons, ordinaire, bon, affronte non pas des arguments, affronte des thèses antagonistes intéressées, la discussion scientifique affronte des hypothèses accompagnées d'éléments de preuve, et du même coup, bon, pour parler comme l'autre, c'est toujours falsifiable, on peut refaire une démonstration. Alors, c'est ça la scientificité de la voilà. société. Alors pour nous, les instruments, pour aller très vite, enfin, bon, les gens ont une idée tout à fait sommaire, c'est quoi? C'est la technique d'enquête, c'est le questionnaire, bon, questionnaire ouvert ou fermé, nous posons des questions aux gens, nous analysons statistiquement, la statistique est un des instruments les plus inévitables, et nous employons des instruments statistiques parfois très sophistiqués, du même type que ceux qu'emploie la physique la plus avancée, etc. Voilà. Alors il y a d'autres techniques, par exemple pour explorer en profondeur ce que les gens ne savent pas sur ce qu'ils font, on peut faire des entretiens très approfondis dans lesquels on travaille un peu, pour employer l'analogie, comme Socrate. C'est-à-dire, non seulement on interroge, mais on assiste la personne interrogée qui peut ne pas avoir toujours les instruments d'expression nécessaires pour dire ce qu'elle éprouve. Pierre Bourdieu, est-ce qu'en matière de goût esthétique, de préférence alimentaire, de préférence vestimentaire, de manière de table, est-ce que nos distinctions nous distinguent, ou est-ce qu'on peut dire que nos classements nous classent? Oui, tout à fait. Hein. Le goût est cette chose très très paradoxale qui à la fois nous permet de faire des différences, de produire des préférences, de dire j'aime mieux ceci que cela, et en même temps qui nous rend justiciable de jugement de préférence. C'est-à-dire, on dira il a bon goût, il a mauvais goût. Autrement dit, c'est une sorte de pratique réflexive. Enfin, nous ne pouvons pas juger dans ce domaine sans être justiciable de jugement, sans être jugé. Et c'est pourquoi d'ailleurs le sens commun dit des goûts et des couleurs ne discutent pas, ce qui est une façon d'évacuer le problème, de dire n'en parlons pas, en fait, parce que ça serait trop grave. Et, une de mes découvertes en travaillant sur ce sujet, c'est que aujourd'hui, il n'y a sûrement pas beaucoup de jugements qui engagent autant les gens que les jugements de goût. C'est-à-dire, vous pouvez facilement faire rougir quelqu'un aujourd'hui, le faire rougir sur sa sexualité, etc., ça devient de plus en plus difficile, mais faire rougir sur une faute de goût, sur une gaffe, etc., c'est extrêmement facile. Et d'ailleurs, c'est une des difficultés de l'enquête. L'enquête sur les problèmes de goût est très difficile parce que, évidemment, le rapport d'enquête est un rapport social, et la personne interrogée a une idée du statut social de la personne qui l'interroge, donc de ses goûts, de ses préférences, et il a peur d'être jugé par l'interrogateur. Et de ce fait, il tend
d'autant plus qu'il est plus bas dans la hiérarchie sociale, à produire des jugements de goût qu'il juge conformes aux attentes de l'interrogateur. Par exemple, bon, c'est dans les, lorsqu'on l'interrogeait sur les goûts en musique, beaucoup de gens de petite bourgeoisie ou du haut des classes populaires disaient la question « Aimez-vous la musique ?» Il répondait souvent « Oui, j'aime beaucoup les valses de Strauss. » Parce que c'est la grande musique du pauvre, c'est-à-dire c'est l'idée qu'on se fait de la grande musique, ce qu'on appelle la grande musique, quand on n'est pas familier avec cet univers. Voilà. Donc déjà une différence entre les goûts spontanés et les goûts proclamés. Voilà, donc il a fallu faire tout un travail pour contourner cette tendance à valoriser et pour se référer plus aux pratiques d'ailleurs qu'aux déclarations. Par exemple, là nous avons fait toute une enquête qui a abouti à un livre qui s'appelle L'amour de l'art, qui est une enquête extrêmement lourde, longue et difficile, une enquête statistique, auprès du public des musées que nous attrapions à la sortie, que nous interrogions, etc. C'est-à-dire en situation de pratique. Bon, là, on est sûr que les gens étaient au musée puisqu'ils en sortaient. Et donc on obtient dans ce cas-là des mesures tout à fait inférieures à celles qu'on obtient quand on demande des déclarations combien de fois tu vas aller au musée au cours de l'année. Donc il y a une tendance à s'accorder plus de culture qu'on en a. Cela dit, donc, le goût est cette capacité bizarre de faire des distinctions qui distinguent. Et le titre de l'ouvrage dans lequel j'ai publié les principaux résultats concernant ce problème, la distinction, est un titre volontairement ambigu. D'ailleurs, rétrospectivement, je regrette cette ambiguïté parce que je pense qu'on a entendu que un des moteurs du monde social et en particulier des pratiques culturelles, c'est la volonté de se distinguer. Bon. En fait, cette volonté de se distinguer, le snobisme. Ouais, ouais. Ce qui n'est pas du tout l'idée du livre. En fait, nous sommes distingués, que nous soyons distingués selon la définition officielle ou pas. On peut dire que, par exemple, un petit commerçant que, au nom des normes dominantes, nous jugeons vulgaire, est distingué, en ce sens qu'il est différent des autres. Et en fait, alors, l'idée centrale pour comprendre ces phénomènes, qui sont des phénomènes très compliqués, formidablement compliqués, c'est qu'il y a un espace de différence, bon, selon plusieurs principes, De différences hiérarchisées, des différences selon le sexe, selon l'âge, selon la profession, selon le niveau d'instruction, selon le capital économique, selon la résidence, Paris, province, etc. Il y a tout un espace de différences. Bon, et ces différences objectives, enfin dans les moyens, pourrait-on dire, hein, les moyens de consommation, hein, se retraduisent en différences dans les préférences manifestées. Bon, c'est-à-dire quand vous savez où quelqu'un se situe dans cet espace de différence, bon, c'est-à-dire quand vous savez sur lui, sur sa profession, son niveau d'instruction, la profession de ses parents, etc., vous pouvez deviner en gros, sinon quelle catégorie de goût il aura, quelle catégorie goût il ne peut pas avoir. Bon. Autrement dit, il y a une prédiction, une prévision. Qui signale une corrélation. Voilà, voilà, voilà. Donc, et alors là, je peux dire, on dit souvent de mon travail qu'il est déterministe, à quoi je réponds, simplement qu'il constate. Moi, je constate des corrélations stupéfiantes. Et parfois, je me dis, on va encore dire que je suis déterministe, ça me surprend moi-même de voir à quel point, par exemple, je sais pas, dans l'univers des grandes écoles, qui est un univers dans l'espace de la distinction, où je décris l'ensemble du monde social, c'est un point. Bien, à l'intérieur de ce point minuscule, je vais retrouver tout un espace de différence nécessaire. C'est-à-dire, je vais retrouver entre l'élève de HEC, l'élève de l'ENA et l'élève de l'école normale, des différences systématiques, non aléatoires. Et je vais même en trouver entre les élèves de l'école de Saint-Cloud et de la Rue d'Ulm. C'est tout à fait impressionnant. Alors, évidemment, ce sont des différences statistiques. Ça ne veut pas dire qu'on est condamné à avoir un goût déterminé à partir d'une position déterminée, mais nous avons des goûts probables.
Par rapport à toute une tradition philosophique du jugement de goût comme jugement essentiellement désintéressé, vous pointez au contraire un intérêt social tout à fait à l'œuvre. J'essaie de mettre en lumière la distinction à un sous-titre qui est critique sociale du jugement de goût. C'est-à-dire qu'au fond, j'essaie de faire une entreprise de type kantien, donc qui consiste à s'interroger sur les conditions de possibilité. Qu'est-ce qui rend possible le fait de formuler un jugement de goût? Alors je dis, il y a des conditions sociales, même économiques et sociales, de possibilités de tout jugement de goût. C'est alors que la représentation dominante du jugement de goût, qui est justement la représentation kantienne, ne vaut que pour les dominants. C'est-à-dire la représentation dominante est que le jugement est un jugement pur, qui n'a pas de détermination externe, qui est autonome, autotélique et autonome. Distancé. Bon. Alors que dans la réalité, c'est que il y a des conditions sociales de possibilité. Pour avoir les goûts que j'ai, il faut que je sois le produit de certaines conditions sociales. Et l'esthétique pure, alors pour prendre l'exemple le plus défavorable à ma thèse, en apparence, l'esthétique pure, l'esthétique de l'art pour l'art, l'esthétique de la forme, etc., a des conditions historiques et, on pourrait dire, pour employer la distinction, phylogénétique et ontogénétique de possibilités. Alors je m'explique, c'est-à-dire pour que quelqu'un regarde un tableau de Poussin ou de Mondrian ou de Nicolas de Staël, comme il faut le regarder selon les normes qui définissent aujourd'hui l'esthétique légitime, pour quelqu'un le regarde comme ça, il faut qu'il y ait eu toute une histoire qui remonte très loin. Il faut la suivre depuis le Quattrocento. Il faut surtout la révolution du 19e siècle, en peinture, où on cesse de regarder une œuvre en fonction du sujet. Jusqu'au 19e siècle, on l'oublie, juste avant Manet, les critiques étaient des gens qui disaient, voilà, c'est un tableau qui représente Phocion, et on faisait un petit cours d'histoire. Bon, et on avait tout dit du tableau quand on avait dit ce qu'il racontait. Et le tableau était un récit. Bon, ça a été une espèce de rupture extraordinaire de dire, on le regarde en lui-même, pour lui-même, pour sa couleur, pour ses formes, pour ses conditions. Bon, ça, c'est la première chose, les conditions historiques. Puis il y a les conditions du côté de l'individu. Il faut un apprentissage du regard pur, du regard gratuit, donc des conditions familiales, des conditions scolaires, etc. Et tout ça est oublié dans la théorie du jugement pur. Est-ce que vous ne repérez pas justement, fonctionnant à l'intérieur des différents jugements de goût, les confusions faites éventuellement entre la photo d'une belle femme et la belle photo d'une femme, pour reprendre cette distinction kantienne d'ailleurs d'origine. Tout à fait. Mais oui, justement, quand j'ai essayé de lire un peu entre les lignes, charrie des jugements sociaux constamment. Ouais. Les goûts des palais et des sens, il y a une espèce de goût inférieur et un goût supérieur, un goût pur. Il y a justement une manière impure de regarder un nu féminin, et une manière légitime, qui ne s'intéresse que à la forme, etc. Bon, cette distinction, évidemment, est associée à certaines conditions d'existence. C'est évident que c'est au fond, je dis ça un peu pour taquiner mes collègues philosophes dont je suis, j'ai fait des cours aussi sur la critique du jugement, c'est une philosophie de professeur. Et du coup, les professeurs de philosophie la trouvent universelle. Voilà. Parce que c'est leur vision. C'est un universalisme qui se produit dans des conditions très particulières. Très particulières, oui. Pierre Bourdieu, vous venez de publier un long article sur ce que vous appelez la domination masculine. Est-ce qu'il ne s'agit pas autant de domination, de la domination que tout homme, au sens sexué du terme, cherche à exercer sur un autre homme,
que de la domination des hommes sur les femmes. Est-ce que ce n'est pas une double domination dont il s'agit ? Oui, oui. En réalité, pour penser ce genre de problème à la fois presque trivial que nous avons sous les yeux à longueur de temps et formidablement difficile, il faut changer très profondément les manières de penser. Bon, c'est-à-dire que les formes de domination les plus fondamentales, donc, qu'il s'agisse de la domination culturelle, qu'il s'agisse de la domination d'une ethnie sur une autre, qu'il s'agisse, je sais pas, les blancs sur les noirs aux États-Unis, qu'il s'agisse de la domination des hommes sur les femmes, etc. Toutes ces dominations sont très difficiles à comprendre parce que elles s'exercent en quelque sorte deux fois. Elle s'exerce à travers des contraintes objectives. Bon, par exemple, pour l'Afrique du Sud, jusqu'à une époque récente, et sans doute encore pour une grande part aujourd'hui, il y a des ségrégations, c'est-à-dire des interdits objectifs dans l'espace, des lieux séparés, des lieux sacrés dans lesquels certaines personnes n'ont pas le droit d'entrer, dont certaines personnes sont exclues, etc. Bon. Donc il y a des formes objectives. De même, encore aujourd'hui, il y a des professions où, sans que cela soit interdit, de fait, les femmes ne sont pas représentées, ne sont pas présentes, ou si elles sont présentes, elles sont dans des positions inférieures, dominées, etc. Bon. Alors, ça, c'est du côté objectif. Bon. Et puis, et c'est là ce qui est souvent oublié dans les analyses, je fais l'hypothèse que ces oppositions objectives, ces structures objectives, ces divisions objectives deviennent ce que j'appelle des principes de division. Des principes de vision du monde. C'est-à-dire, par exemple, la plupart des sociétés archaïques, moi j'ai beaucoup travaillé sur la société kabyle, sont organisées de manière, maniaque, obsessionnelle, selon l'opposition du masculin et du féminin. Par exemple, la maison, c'est vrai d'ailleurs encore dans nos sociétés, la maison est un sous-espace féminin à l'intérieur du monde masculin. Il y a l'opposition maison-place publique, ou aujourd'hui maison-café. Alors, la place publique étant masculine, dans le lieu du discours, de la parole masculine, de la politique, etc., la maison étant le lieu de l'intimité, de la psychologie, de l'intériorité, de la biologie, de la reproduction, de la nature, bon, c'est culture-nature, etc. Bon. Mais cette opposition-là, elle existe donc dans l'objectivité, mais elle existe aussi dans les structures mentales, sous la forme de couples d'opposition, d'adjectifs. Il faudrait prendre des milliers d'exemples. Et l'accord entre ces oppositions objectives et les principes de division subjective fait que tout paraît aller de soi, et des choses qui devraient surprendre ne surprennent pas. Par exemple, un exemple très simple, tout à fait présent dans la société, la logique de la vocation. On dit cette fille, elle n'aime pas les mathématiques, ou bien c'est une fille à Paris à Polytechnique. Bon. La logique de la vocation, qui est un des grands principes de l'élimination différentielle des garçons, des filles et des enfants de différentes origines, est un phénomène très mystérieux. Les éliminés s'éliminent. C'est-à-dire les filles, on ne les chasse pas de certaines disciplines. On leur dit pas qu'il faut faire de la psychologie plutôt que de la sociologie. Or, statistiquement, il y a beaucoup plus de filles en psychologie, l'âme, l'intime, la maison, hein, qu'en sociologie, la politique, l'agora, etc. Bon, alors, c'est quoi ? C'est que inconsciemment, comme on dit, bon, les filles s'orientent vers ce pourquoi elles se sentent faites, elles pensent avoir la vocation, et elles pensent le faire librement, et inconsciemment, les mécanismes d'orientation, qui ne sont pas nécessairement des mécanismes opérés par des hommes, c'est des notes, c'est des sortes de choses, les poussent d'un côté ou de l'autre. Bon, et on a une espèce d'immenses processus de triage qui s'appuie autant sur les structures subjectives que sur les structures objectives.
Voilà. Et alors, ce principe, c'est ce que j'appelle l'habitus, voilà, c'est-à-dire, c'est toujours difficile de donner en quelques mots une définition rigoureuse d'un concept complexe. Disons que c'est un système de catégories, de perceptions, de pensées, d'actions et d'appréciations. C'est-à-dire, c'est ce qui fait que, devant la même situation, deux personnes vont voir différemment, vont construire la réalité différemment. L'un aura une préférence, l'autre une autre. Ces habitus sont le produit de l'incorporation, on pourrait bien dire de la somatisation, pour employer le vocabulaire psychanalytique, de la somatisation de structures objectives. Il y a la différence objective entre garçons et filles. Autrefois, c'était à l'école, il y a l'école des filles, l'école des garçons, etc. Il y a la différence objective et elle devient incorporée. Autrement dit, les filles, dans le cas particulier, collaborent, mais pas consciemment, évidemment, à travers leur corps, à travers le fait, par exemple, qu'elles sont du côté du cosmétique, du côté de la beauté, de l'élégance. Dans la division du travail, toutes les enquêtes le montrent, les femmes la charge de l'intérieur. Bon, et c'est elles qui choisissent les décors, etc. Dans la gestion des biens symboliques. Bon, alors que quand il faut arriver aux catégories les plus élevées dans l'espace social et plutôt au pôle intellectuel pour trouver des hommes qui choisissent leurs vêtements sans consulter leurs femmes. C'est vrai, un fait très, les femmes ont une spécialisation du côté du goût, de l'esthétique. Bon, alors, et à travers, ça serait une longue démonstration, à travers cette sorte de spécialisation socialement constituée, elles se produisent elles-mêmes comme biens symboliques, qui circulent sur le marché matrimonial. Enfin, là, il y aurait à évoquer. Elles deviennent les enjeux d'un jeu de domination. Entre hommes. Vous reprenez la notion de femme-objet qui a eu évidemment un succès lié à Simone de Beauvoir, oui. Mais évidemment en un sens, Tout à fait différent. Assez différent. Vous pouvez préciser cette différence ? Oui, je pense que là vous me poussez à élaborer des choses très compliquées, mais je vais essayer. Dans les échanges symboliques, dont la forme par excellence dans la plupart des sociétés sont les échanges matrimoniaux, les femmes sont objets d'échange et non pas sujets d'échange. C'est-à-dire, les femmes sont un instrument de constitution d'alliance, la femme une de sorte prestige. De prestige. La femme est une sorte de parole qui est entre les mains des hommes, le père, le frère, et puis ensuite le mari, encore aujourd'hui. Enfin, c'est un porteur, c'est un sémaphore. Enfin, elle porte des bijoux, etc. Elle porte la condition sociale de son mari. Donc, à ce titre, elle est dans les jeux symboliques beaucoup plus objet que sujet. Et là, on pourrait montrer encore aujourd'hui que si on prend les statistiques de distribution des femmes selon les professions, les femmes sont toujours plus représentées dans les fonctions de représentation. L'exemple simple, c'est les hôtesses de l'air, etc. Les fonctions dans lesquelles il s'agit essentiellement de faire, mais de faire quelque chose qui vaut par la manière de le faire, par le vêtement que l'on a, que l'on met pour le faire, etc. Elles sont préposées aux signes de distinction. Voilà, exactement. Alors, elles ont partie liée, effectivement, avec ces mécanismes de domination symbolique que j'ai décrits par ailleurs. Oui. Et c'est ce qui illustre assez bien ce concept de violence symbolique qui est très important dans votre... Voilà, alors la domination masculine est la forme par excellence de la domination symbolique, c'est-à-dire une domination qui s'exerce... Alors les mots sont très difficiles sur ce point-là, parce que on peut facilement imputer la faute au dominé. Blâmer le coupable, comme on dit. Blâmer la victime, pardon. Blâmer la victime. Donc il faut faire très attention aux mots. La domination symbolique est une domination qui s'exerce avec la complicité de celui qui l'a subi. Mais le mot de complicité, il ne faut pas le prendre au sens sartrien, de mauvaise foi, je me mens à moi-même, je suis pas de sens moral. C'est, d'une certaine manière, mon corps qui collabore, en quelque sorte, avec les structures dont il est l'incorporation.
l'incorporation, dont il est le produit. Nous ne savons pas, par exemple, quand nous marchons, rien ne paraît plus naturel que la marche. Or, c'était l'exemple célèbre de Marcel Mauss, qui a inventé la notion de technique du corps. Il a montré qu'après la guerre de 14, quand on voulait faire défiler des soldats français avec une musique anglaise, des soldats anglais avec une musique française, ça ne marchait pas du tout, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des manières nationales de marcher, autrement dit que cette chose apparemment très naturelle était complètement socialisée. Bon. Et c'est vrai de l'essentiel de nos structures, des structures mentales, des structures de perception, elles sont inscrites complètement dans les plis du corps, de la manière dont on dit. Et c'est ça qui expliquerait aussi que les dominants sont également dominés par la structure de domination. Oui, alors là, on le voit bien dans le cas de la domination masculine, la phrase célèbre de Marx, qu'on cite comme ça sans trop y penser, les dominants sont dominés par leur domination, là, elle prend tout son sens. C'est-à-dire que les dominants ont aussi dans leur cerveau la dichotomie fondamentale. Et au nom de l'idée de la virilité, par exemple, de la virtus. Virtus, c'était voilà un bel exemple de présupposé tacite. Dans virtus, on n'entend pas vire. C'est une vertu est nécessairement masculine. Bon. Au nom de l'idée de la virtus, c'est-à-dire de il faut être un homme, etc., on peut faire des tas de choses absurdes. Mourir pour la patrie, on peut se battre dans des guerres absurdes, on peut écraser le sexe dit faible, on peut faire toutes sortes de choses, et donc le dominé, pour être à la hauteur de l'idée qu'il a de lui-même, le dominant pour être à la hauteur de l'idée de lui-même que le monde social lui a inculqué, peut être amené à s'imposer des sacrifices, jusqu'à y compris le sacrifice ultime de la vie, dans les sociétés archaïques, mais encore aujourd'hui. Oui, on a donc un bel exemple avec cette violence symbolique d'une violence sans violence, d'une certaine façon. Ah oui, ça c'est tout à fait... Là, il n'est pas question de chercher un responsable. Ce qui ne veut pas dire que la violence ne serve pas certains plutôt que d'autres. C'est évident que la violence symbolique, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit quelle qu'elle soit, est un des fondements les plus puissants de l'ordre social. Je pense que les sociétés modernes reposent, j'allais dire, au moins autant sur la violence symbolique que sur la violence physique ou économique. Tuvimos la oportunidad en esta entrevista de observar y por lo tanto también de reflexionar en torno a el mecanismo desde el cual, en este caso un sociólogo, va definiendo su lectura del orden social, de las formas de reproducción de las estructuras simbólicas y también de las formas culturales. Pudimos ver cómo Pierre Bourdieu indaga por el funcionamiento de la institución escolar, pero lo hace apelando, insisto, a una mezcla que tiene que ver con una indagación cuantitativa, empírica, de relevamiento, incluso de encuesta, pero que va introduciendo en ese relevamiento la dimensión de una sociología crítica, de una pregunta que desarma el funcionamiento de esa lógica institucional. También nos encontramos con el Bourdieu que se pregunta por las posibilidades de la dominación, no simplemente para pensar la dominación desde el gran hermano o el poder centralizado, sino también pensar la dominación como construcción simbólica, como mecanismo a través del cual también en el dominado se produce una empatía, un intercambio, se produce una relación a través de la que efectivamente la dominación se despliega y opera sobre la conciencia de cada uno de los integrantes de la sociedad.
Pierre Bourdieu, yo lo recordaba al comienzo, no es el científico social, el sociólogo exclusivamente de la tradición de la escuela de Durkheim, aquel que está inscripto en el mundo académico e investigativo, sino que Bourdieu es el que hace confluir en su propio discurso y en su propia práctica la tradición de la ciencia social francesa con toda esa saga de intelectuales comprometidos que se inicia en los tiempos previos a la Revolución Francesa con Voltaire y que tiene un nombre propio mayúsculo en Sartre, viejo contemporáneo de Bourdieu, o que se expresa en esa intervención de finales del siglo XIX de Émile Zola en torno al caso Dreyfus y el famoso yo acuso. El intelectual que toma partido, el intelectual que reivindica una manera de intervenir en la sociedad, de poner en cuestión la forma del poder, la máquina de la dominación. Esto ha sido lo que Bourdieu nos ha transmitido a través de esta entrevista. Insisto, una entrevista ordenada, donde de a poco Bourdieu va explicando su sistema de indagación social, pero en la que también nos recuerda la relación entre una ciencia de la sociedad y el compromiso por combatir aquello que en la sociedad nos devuelve la forma de la injusticia, de la dominación y del prejuicio. Les decía que Pierre Bourdieu es parte de esa extraordinaria tradición de pensadores del siglo XX. Y por eso escucharlo nos permitió de nuevo pensarnos mejor a nosotros mismos. Seguiremos con esta saga, con este ciclo, escuchando otras voces, otras ideas y otros modos de ver nuestra actualidad. Hasta luego.